Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve à Paradisea. Ça fait, allez, on va dire 6 ans que je suis pas allé, donc il y a eu beaucoup de nouveautés. Là, surtout la grande entrée, la nouvelle grande entrée qu'ils ont fait. Et là, on est entre guillemets à la place centrale où vous avez les différents lands qui sont répartis. Et en gros, le lore, c'est que le grand arbre donne l'eau pour réguler l'eau dans les Andes. Donc voilà. Donc je vous amène avec moi, je vais essayer de faire un nouveau type de vlog. Donc venez découvrir Paradisea avec moi. C'est compliqué là, les amis. C'est horrible. Et... franchement, la zone oasis, très bonne zone, comme vous avez vu l'image, fait très chaud. Par contre, le pont de singe, il faut avoir l'équilibre. Je vous ai filmé, mais c'est horrible, il faut avoir l'équilibre quoi. Franchement, le train là derrière moi, banger. Ça coûte 6 euros pour les adultes et 4 euros je crois pour les enfants.
Et franchement, vous faites une très belle visite du parc. Vous avez des explications au niveau des animaux. Et vous voyez même des animaux que vous ne voyez pas dans le parc. Voilà. Donc franchement, trop rentable, trop trop bien. Et franchement, je suis un amour des trains. Voilà. Franchement, c'est trop bien. Franchement, les zones sont très très belles. Là, ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait en sorte de faire des chambres directement intégrées dans le parc. Donc ça fait que genre tu te lèves le matin à 9h, 10h et tu vois du coup les animaux directement en face de toi, directement à ta fenêtre. Et ce que je trouve, ce qui manque aussi, et ce qu'on s'est dit, c'est que bah il manque un peu de musique dans le parc. Donc voilà. Mais franchement c'est magnifique. Les zones sont magnifiques. Bon, là je viens de finir à manger. On a mangé du coup dans la petite zone à côté de ce resto. Voilà. Donc, non, franchement, très très bon. J'ai du coup aussi visité là où ils entreposent les trains, là où ils font les réparations. Et gros bâtiment. Mais je pensais qu'il y avait plus de place pour voir. Mais bon, voilà, je suis un amoureux des trains. Voilà aussi. Donc, non, on continue les visites pendant après. Voilà.
franchement, la grotte, elle est immense, comme vous voyez. Et là, juste devant, on a genre une grosse vitre où on peut du coup voir l'ours polaire. Et franchement, c'est trop grand, c'est trop immense, c'est trop beau aussi. En espérant que vous kiffez les plans que je fais. Voilà, parce que c'est entre guillemets des nouveaux plans que je fais et puis un nouvel style de vidéo aussi. Franchement, la zone polaire, très belle. Les animaux, bon, malheureusement on les voit pas tous, mais voilà, ça fait la galerie, ça amuse les gens. Ils sont magnifiques, voilà, comme mammifères et comme animaux sauvages. Et puis, ouais, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, ils ont pas plus agrandi, genre l'espace pour. Les gens regardent vraiment. Du coup, bah, ça fait qu'il y a full troupeau de personnes qui regardent au même endroit. Donc voilà. Bon, j'ai essayé de faire des plans, mais c'est pas top. Franchement, les zones sont super bien thématisées, surtout aussi dans le monde. Ouais, je veux dire ça. Thématisé dans le monde où se trouvent entre guillemets les animaux présents dans ce zoo. Donc ça c'est super cool et ouais en 6 ans, 6 ans ça a beaucoup évolué. Donc vraiment tout ce que vous voyez là, je l'ai presque jamais vu ou ça a été refait, rethématisé. Mais ouais franchement, c'est magnifique. C'est magnifique et heureusement qu'il existe entre guillemets des zoos comme ça, qui prennent soin de leurs animaux, qui prennent soin de des détails aussi de la nature. Et de faire en sorte aussi qu'ils se sentent chez eux. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est, je pense, mon meilleur zoo préféré ever. Ouais. Là, on se retrouve sur l'île où il y a les gorilles, les lémuriens, voilà. Donc, ouais, des petites animations qui sont assez sympas. Puis, ouais, c'est joli, c'est beau, on voit que les animaux sont heureux, tu vois. Ils sont pas en mode je chiale, je machin, bidule. Là, ils sont vraiment heureux, ils font vraiment tout ce qu'ils veulent. Et puis, ouais, c'est super cool de les voir contents. Et puis, par contre, j'en ai mal aux pieds. Ça monte, ça descend, et t'as plein de trucs qui se passent.
Et franchement, c'est très très beau quoi. Là, du coup, on se dirige vers la zone des pandas. Voilà, la zone asiatique. Je pense que ça va être la meilleure zone parce que c'est mon thème. Et je kiffe trop les pandas et je kiffe trop la zone asiatique. Voilà. La zone asiatique est magnifique. Par contre, c'est du bric-à-brac. Genre, c'est du fouillage de partout, de machin. Mais très belle. Mais je trouve qu'on se perd beaucoup. Et surtout vite aussi. Mais magnifique. Voilà, donc c'est ma plus belle zone du parc. Et en même temps, c'est le thème que je préfère. Et voilà les amis, c'est sur ces dernières images, ces derniers sons que je vous laisse là pour la fin de ce vlog. C'était trop bien. On a eu une journée un peu plus longue, donc voilà. Malheureusement, on part un peu plus tôt que la date de fin, vraiment l'heure de fin de l'arrêt du parc. J'ai mal aux pieds. Excuse, j'ai mal aux pieds. Mais franchement, c'était trop bien, les zones sont trop belles, les animaux, on sent qu'ils sont vraiment heureux là où ils sont. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous avez kiffé ce vlog, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce serait ultra important, à partager aussi. Ça aiderait à développer la chaîne, voilà. Et puis, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez kiffé ce vlog. Voilà, sur ce les amis, c'est Sky, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine ou dans quelques semaines. Sur ce, croyez toujours vos rêves. Salut. Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission. Et...